grosse occasion pour Newcastle, sans doute la plus grosse de ce match. On se souvient de la volée d'Admiral également, mais elle était plus difficile. Alors, comment vous allez les jeunes, les mamies, les papas, qu'est-ce que ça dit? Comment vous allez, la famille? Malik. Malik, viens s'il te plaît. Viens, viens, viens. Passe par là, par la baie. Allume-le. Le dernier suit la droite. Voilà. Merci. Grand n'a pas fini de travailler dans ma vie, ma vie. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie, ma vie. Quand moi je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande, donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie est le tout-puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier, oh, je rayonne. Mon nom dans toutes les bouches résonne. Moi que tu vois là, je n'envie personne. Ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Bientôt le featuring, hein, Grand P. Bientôt, bientôt, bientôt. Alors, depuis le début de l'année, je tenais à vous faire un petit coucou. Vous savez que je ne suis pas à l'aise, je suis moins à l'aise dans les directs. Voilà, donc je suis à vous, posez-moi des questions, parlons un peu, papotons. Alors, comme en famille, quoi, comme au quartier, dirais-je. Go Baoula dit mon pain qu'on m'a volé. Grand P va tuer. Allez dire. Grand P c'est un monument. Eh, hey, on veut dire, calmez-vous, hein. Grand P c'est un bon chanteur. Manage a confirmé, il a fait quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a?
Je vois, Manaja confirmé. Ah ouais. Mais lui, il est manager, non? D'accord. Ok. Je lis vos commentaires, hein. Je lis les commentaires pour savoir ce qui se passe exactement. Ok. Eugène Blindé, mon inspiration, elle est divine, hein. Là, je suis en train de terminer mon album de 10 titres, mon premier album. Mecha Mecha. Mecha Mecha. Ah, d'accord. Manager, il est aussi artiste. Très bien. D'accord. En tout cas, moi, j'ai du respect pour tous les artistes. Hein. Quelle que soit leur place, j'ai du respect pour tous les artistes. Qu'ils soient en herbe, qu'ils soient en verre ou en fer, un artiste, c'est un artiste. Il faut respecter les artistes. Voilà, il faut respecter tous les artistes. C'est très important. Oui, je ne fais pas de distinction entre les grands artistes et les petits. En gros, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de petits artistes. Hein. Le talent, c'est pas de la rigolade, les gars. Voilà. Quelqu'un qui vous fredonne des choses et vous en tremblez. Écoutez, c'est un don de Dieu. Oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Ouais, grand-père va faire le refrain. Allez bien. Il n'y a pas l'homme. Trop fort. D'accord, d'accord. On va voir ça. On va voir ça. Attendez l'album. C'est le plus grand album. Le plus grand album de la Terre. Dangereux. Mais au moins, deux morceaux pour la galère quand même, les gars. Parce que sans les morceaux d'espoir, sans Dieu, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Hein? Donc, ils ne sont pas ingrats dans la vie. Vous comprenez? Je ne peux jamais arrêter de faire les morceaux d'espoir. Sur l'album, il y en aura au moins deux. Voilà, parce que c'est le kérosène que vous connaissez. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Quand tu écoutes le refrain du temps. Car le second nom de Dieu, c'est le temps, ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est ne te presse pas. Petit à petit, un jour pour toi va sortir. Le refrain toxique, dangereux. Que peut le veut? Comment? Ça, c'est des refrains, c'est pas de la rigolade. Ça détruit plusieurs couplets. Un refrain toxique. Car le second nom de Dieu, c'est le temps, ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est ne te jaoulis pas. Petit à petit, un jour pour toi va sortir.
Avant, quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant, le boss, c'est moi. Ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Enfant de Cyporès, aujourd'hui, mange à la table des rois. Les moments de galère sont de mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, grand morceau. Comment ça? Alors, les gars, ne jouez pas les morceaux là. Hein? C'est des morceaux prophétiques. Hein? Il n'aime pas ça. Hein? Des morceaux intemporels. Et Dieu merci, les témoignages sont légion. Des gens m'en parlent à travers le monde entier. Quand je croise des gens, ah, Kérosène, ta chanson tant a fait tant dans ma vie. Ta chanson tant a fait tant dans ma vie. C'est plus que l'argent. J'en suis bluffé. J'en suis même revigoré par moments. Que dirais-je? Pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Oh. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh. Le cœur noir. Oh. Ne le calcule pas. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Oh. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé. 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 Tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Oh, oh, élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, tu seras élevé. Ah, tu as fait grâce. On doit lui rendre la gloire. Parce que ces morceaux-là viennent du ciel. Ces inspirations sont divines. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas du jeu. Non. C'est des morceaux en fer. Grand morceau. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin, très loin. Le pétrole du village est devenu kérosène grâce à Dieu. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer, jamais. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Iolélo, ma vie a changé, oh. Iolélé, oh, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Iolélé, oh, ma vie a changé. Iolélé, oh, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Iolélé, ma vie a changé. Iolélé, oh, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Grand morceau. Grand morceau. Bon Dieu, bon Dieu. Papa le Tout-Puissant. Oh, toi le grand Babu. Reçois ma requête. Bon Dieu, bon Dieu.
Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand Babu, reçois ma requête. Boum. À cause de petits mouvements là, les gens là me regardent mal. À cause de ma propre étoile, oh, ils veulent m'étouffer. Bon Dieu, prends-moi sur ton aile. Fais-moi voler au-dessus de tout danger qui me guette. Bon Dieu, Papa le Tout-Puissant, oh toi le grand Babu, oh, reçois ma requête. Oh non, 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 ils pourront pas tant que Dieu dit non. Ils vont se fatiguer, tant que Dieu dit non. Ils vont vouloir me faire tomber, oh, tant que Dieu dit non. Koni Touré, tant que Dieu dit non. Nyamie, à toi toute la gloire, car je sais que tu me protèges. Grand morceau. Faut pas demander. Dieu est fort que tout. Il n'y a pas de bruit. Tu penses que j'ai l'argent, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Proclamez les bonnes choses sur vous. Attirez les grâces. Proclamez. Proclamez. Tout est dans la proclamation. Ne t'apitoie pas. Non, 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 non. Ne te morfonds point. Tu ne te morfondras point. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'or, c'est le Dieu de l'argent. C'est le Dieu de la gloire, c'est le Dieu de la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas où là, où là. Crie à lui. Dis, papa, c'est chaud. C'est à lui seul que tu peux. C'est à lui seul que tu peux parler autant. Tu penses que j'ai l'argent, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai réussi, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Il dit, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Les gars, on est ensemble. Ça n'a pas encore commencé. Voilà. On est dernier. Oui, mais... Voilà, Steve Kaba. Faut dire à papa que c'est chaud. Quand on parle à son père, on ne le vouvoie pas. On ne vouvoie pas son papa. On dit, papa, j'ai faim. Papa, donne-moi l'argent. On ne dit pas, papa, donnez-moi l'argent. Non, c'est ton père. Tu lui parles en intimité. Papa, c'est mou. C'est comme ça. Elle dit, proclame, je verrai mon pain qui revient en 2023. Lâche pas l'affaire, Yago, là. Yago, pas oublié. Bon, t'es frappé, hein? Ha. Ma barbe a poussé. Hein. Faut que je me coiffe un peu. Là. Oh, le Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabonais. Ça, c'est ma famille, ça. Le Cameroun également. Le Sénégal.
le Burkina, le Togo, le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale. Ah ouais, nous voyageâmes, nous voyageâmes, nous voyageâmes à Dieu par sa grâce. Ouais. C'est ça l'humilité, soyons humbles. Soyons humbles, c'est très important. Très, 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 très important. Écoutez, écoutez, vous savez que les chansons de Kérosène sont intemporelles. Hein? Écoutez, ouais, l'album arrive. J'ai un beau feat, Fanico, attends, je vais vous faire écouter un peu. Je vais vous faire kiffer un peu mon feat avec Fanico, là. J'aime beaucoup la chanson. Deux secondes. Voilà. Motivation. Je vais goûter. Qu'est-ce que je vois là? Déba. Ouais, le feat avec Karina Steele est déjà scellé. Hein? C'est bon. On a déjà fait un feat. Vous savez, dans la vie, quand on vous aide, quand on vous a soutenu, soutenez aussi dès que vous pouvez, autant que vous pouvez. Et moi, je... Je suis toujours prêt pour ça. Donc, Karina Steele, son featuring est bon. Qui encore? Ben, je vois beaucoup de managers confirmés ici. Il n'y a pas d'adresse, les gars. On va gérer ça. On va coordonner, on va coordonner. Il n'y a pas de souci. On va gérer ça. On va gérer ça. Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, je suis déchargé aussi. Merde. Oh. Skip. Ah, mon adresse est déjà où? Bon, je vous fais plaisir, hein, mais c'est mou. Ouais, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. Je veux savoir ce qui se passe réellement. Et puis, je pense qu'à la fin de la discussion, ça ne me dérangerait pas de faire un featuring avec le gars.
Hey, manager confirmé, on gère ça. Hey, débossé, tchao. Je suis déchargé, les gars, sinon, c'est hors jeu. Vous voulez faire écouter une chanson? Ouais, le chat, même. Putain. Attends, est-ce que je peux la faire jouer pendant que le non, c'est fini. Prochainement, je vous ferai écouter ma nouvelle chanson. L'une de mes nouvelles chansons. Une chanson de mon album. Ouais. Ah, le Tchad. Ah oui, j'ai vraiment aimé ce pays-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Les gens sont tellement accueillants, tellement chauds. Laisse tomber. Non, les Tchadiens, ils ne font pas dans la dentelle. Hein. Ils ne font pas dans la dentelle. Eux, ils t'aiment. J'ai même reçu du lait de chameau dans des sortes de gobelets, là. Dans les rues de N'Djamena. Ça m'a tellement fait plaisir. Les gens sont naturels, les mamans, les papas, tout le monde était là à attendre leur fils, Kérosène, le pétrole du village. Ah là là, ce serait un plaisir pour moi de revenir. Ouais, ça peut donner. GG Coco. GG Coco de Vino. Ouais, la mer. La mer, c'est comment avec toi? Il dit, où est le chapeau kérosène? Ah, Adjamé, c'est la meilleure commune. Hein. Faut toujours être prêt. C'est une question d'organisation. Allez, la famille, c'était votre petit coucou. Je pense que ça fait. Attends, putain, ça me compte là. Ça fait. Voilà, c'est bon. Il y a comment sur le poing, casser le ventre, les abdos. Ah, faut pas demander. Oui, mes frères tchadiens. Je reviendrai très très bientôt. Très très bientôt. Aïtara Happiness. Oui, comment tu vas? Matt Boto, ça va? Ah non, il y a sur le point des zippa. Il y a des zippa. Vous voyez que c'est un jeu. Zippa. Les supporters de Madou Negue. Les supporters de Madou Negue. Positionnez-vous. Positionnez-vous, on ne tue pas au soleil. Ouais, c'est carré, c'est carré, c'est carré.
carré. C'est carré. Les sportifs de Madou Neguer, Cristiano Ronaldo, placez-vous. C'est la famille. J'ai le record de perte de lunettes. Je peux perdre 3 paires de lunettes par trimestre. Hein? 4 même, je dirais. Allez la famille, c'était moi, c'était votre petit bonsoir. On est ensemble. On est ensemble. Du loup arrive. Et la fondation Kérosène, très très bientôt, on s'active de façon massive. Vous et moi avons le droit et le devoir de porter assistance à nos plus jeunes, à nos enfants, à nos petits frères. Donc très très bientôt, je vous parlerai plus aisément. De la fondation Kérosène. Je ferai un direct spécial pour ça. Nous sommes 1 million d'abonnés. Imaginez 500 francs par personne. Ça nous fait 500 millions de francs CFA. On peut faire des merveilles. L'opération va s'appeler Tontine. L'opération s'appellera la Tontine. La Tontine. C'est-à-dire chacun aura son heure de gloire. 1 million d'abonnés, 500 francs CFA par personne. Ça nous fera 500 millions de francs CFA. Bien gérés par des huissiers, afin d'offrir l'agréable à nos petits frères, à nos enfants. Voyez-vous, non, je ne vais pas parler du projet là maintenant. Je pense que spécialement, je ferai un direct pour, afin que chacun y mette sa main. Chacun y mette sa main à la pâte. Voilà. Je sais que ma femme me regarde. Hein. Pourtant, elle n'est pas loin. Elle me regarde. Hein? Miss Diabaradé. Pour l'instant. Voilà, vous voyez, on va faire de belles choses à travers la Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique. Nous ferons de bonnes choses. Nous ferons de très bonnes choses. On va demander simplement 500 francs CFA. 500 francs CFA. À tous nos abonnés. Pas plus. En maintenant, celui qui veut envoyer plus, ça c'est lui qui verra, tu vois. Voilà. Mais 500 francs CFA. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train de nous organiser. Au moment opportun, je pense, dans un mois, tout sera calé. On n'aura qu'un seul numéro. Sur le numéro, vous pourrez... nous sommes en train de bosser avec les informaticiens. Sur le même numéro, ceux qui ont Orange Money, qui ont MTN Money, qui ont Wave, qui ont Move Money, qui ont tout ce qu'il faut, enverront l'argent sur une application. Donc, tout est en train d'être peaufiné par nos gars. Et je pense que c'est un métier, c'est un travail, ce serait un travail à plein temps pour moi, parce que Dieu m'a mis cela à cœur. Dieu m'a mis cela à cœur. On doit apporter la joie à nos enfants. C'est-à-dire l'utile à l'agréable, en fait. Des aires de jeu, des bibliothèques, des bouquins. L'éducation est une arme. L'éducation est une arme. Voilà. C'est vrai, j'ai chanté, j'ai touché les cœurs, j'ai vu des gens s'émouvoir, j'ai vu des gens être contents, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens danser. Oui, je rends la gloire à Dieu toujours.
Mais on peut faire plus. On peut faire plus. En pérennisant tout ça par du solide, par du physique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Au moment opportun, la mère GG Coco, il sait qu'elle-même, c'est les 5000 euros qu'elle virera. On demande 500 francs CFA. Par abonné, nous sommes 1 million sur Facebook. Nous sommes 2 300 000 sur Instagram. Vous voyez ce qu'on peut faire? Vous voyez ce qu'on peut faire pour les autres? Vous voyez ce qu'on peut faire? Je vous explique une histoire, ce qui m'a motivé à faire tout ça. Une fois, il y a une jeune fille, et il y a une jeune fille qui nous a envoyé un message. Et nous, par semaine, on lit un peu les messages pour voir ce qui est important, ce qui est plus important, ce qui est. Voilà. Donc, il y a un message qui a attiré l'attention d'un de mes collaborateurs. Et il me l'a envoyé en capture. Et la jeune fille disait quoi? Kérosène, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tes chansons nous bercent, elles nous réconfortent, elles nous donnent l'espoir et tout. Mais je vis près d'une maman qui a 3 enfants. Enfin, une famille. Un monsieur et sa femme qui ont 3 enfants. Mais les gars, ils ont, ils ont le toit qui est percé, la maison en bois. C'est-à-dire, la meuf, elle ne s'est même pas préoccupée pour elle. Elle demandait un service pour des gens. Et c'est ça l'humanisme. J'ai été touché, mais vraiment touché. Touché par ce acte-là. J'ai vraiment été touché parce que, j'en ai vraiment été touché. Vraiment. Cette fille, c'est-à-dire, nous sommes allés voir les parents qu'on devait voir, mais elle-même aussi, on a dû faire un geste pour elle parce que c'est ce genre de personnes-là, c'est de ce genre de personnes-là qu'on a besoin. Elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas égoïste. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé. Et ça, c'est resté là dans mon cœur. C'est resté là dans mon cœur. Elle est humaine, très humaine. Très humaine. Et que Dieu la bénisse toujours. Qu'il lui donne le mari qu'il faut. Qu'il lui donne les enfants qu'il faut. Cette fille, elle a du cœur. Elle n'a pas pensé à elle. Elle a pensé aux autres. Elle a pensé à cette famille démunie qui était juste devant ses yeux. Tu vois? Et c'est bien. C'est de ça que le monde a besoin. Portons assistance aux autres. Quand on peut. Est-ce que les parents n'ont pas Facebook? Ils n'ont pas Internet? Ils n'ont pas de moyens de communication? Elle a juste envoyé le message. Et Dieu par sa grâce, comme elle a un bon cœur, le message nous est parvenu. Donc, on va lancer très bientôt la fondation Kérosène. Déjà, nous sommes actifs. Nous sommes actifs, mais de façon solennelle, de façon propre. On va lancer la fondation Kérosène. Et je compte sur vous. Je veux une action participative. Je répète, je veux une action participative. Je veux une action participative. C'est vrai que j'y mettrai du mien. Mais je sais qu'ensemble, on fera plus. On fera de grandes choses. Après, sûrement, les organisations internationales viendront nous accompagner. Mais pour l'instant, on ira nous-mêmes. Et on les fera. Nous avons 1000 aires de jeu, 1000 bibliothèques à offrir à notre pays. Nous avons 1000 aires de jeu, 1000 bibliothèques à offrir à nos populations, les plus démunies. Et nous le ferons. Nous les équiperons, Dieu par sa grâce. Et avec vous, nous sommes
4 millions d'abonnés sur Internet. Je ne mets pas TikTok là-dedans, je ne mets pas Twitter, tout ça. Facebook et Instagram. Nous sommes 4 millions d'abonnés, les gars. 500 francs CFA par personne. 500 francs CFA par personne. 500 francs CFA par personne. On fera de grandes choses. Je vous le jure. On fera de très belles choses. Au moins, chacun se sentira humain, je dirais. On est ensemble et très, très bien. Bientôt, je ferai un direct vraiment spécial pour ça. Et on lancera. Merci beaucoup. Et que Dieu vous garde. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. Advienne que pourra. Bye.